journée. Le football professionnel français qui a un nouveau patron depuis hier. On attendait Michel Denisot. C'est finalement Vincent Labrune qui a été élu président de la Ligue. Julien Richard. C'est un challenge que je relève avec humilité. Une simple déclaration, pas de questions, passage express devant les micros pour le nouveau président Vincent Labrune avec un message envoyé au foot français. Il faut pacifier les relations entre les uns et les autres qui se sont un peu distendues ces derniers mois. Aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'intérêt général du football français. Vaste projet, le feuilleton de l'été, les chamailleries et recours juridiques autour de l'arrêt du championnat ont laissé des traces. L'élection tendue hier et le succès étriqué de Vincent Labrune ne vont pas lui faciliter la tâche. Persuadé qu'il fera un bon président. Enthousiasme, vous l'entendez, pas franchement débordant de Noël Le Graët, le président de la Fédération française, partisan du candidat battu Michel Denisot, glacial même pour Jean-Michel Aulas. Moi je n'oublie jamais. Le président lyonnais avait traité Vincent Labrune de guignol dans une violente passe d'armes en 2015 quand il était président de l'OL. Vincent devra faire ses preuves, ce sera pas facile pour lui. Nous sommes tous derrière le nouveau président à lâcher de loin et du bout des lèvres Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG en filant vers la sortie. Vincent Labrune en aura bien besoin. Merci de votre attention et au plaisir.